Bon les gars, bienvenue sur YFC, qu'il pleut, qu'il neige, on essaie de vous faire profiter en faisant plus en plus de YFC, on essaie de plus en plus de professionnaliser, mais garder tout cette côté street, rue que vous aimez bien, c'est YFC, donc on essaie de changer un peu d'endroit et tout, mais je vais essayer d'évoluer bien sûr, et grâce à des sponsors comme Bigo Live qui est disponible sur iOS et bien sur Android, sur lesquels vous pouvez faire des lives de votre vie quotidienne, des petits moments de la vie, vous pouvez même faire des dons, Bigo Live. Elle est disponible dans 150 pays et il y a plus de 450 millions d'utilisateurs. C'est vraiment énorme. Merci à Bigolive d'avoir sponsorisé déjà. Et vous savez quoi? J'ai un profil sur Bigolive qui s'affiche là sur le côté. Quand vous téléchargez, abonnez-vous sur mon profil parce que bientôt je vais faire un live. Dites-moi vous, vous voulez que je fasse un live de quoi? Des entraînements, de traction, de MMA, ou bien vous voulez que je fasse un live pendant des combats comme ça? C'est à vous de voir. Merci beaucoup encore une fois à Bigolive d'avoir sponsorisé cette vidéo-là. Tout se trouve dans la description et nous, on commence. Kai. Donc les gars, premier combat avec notre bien-aimé Alexandre. Vous êtes posé dans le cœur depuis son dernier combat. Ah, bonjour à tous, moi c'est Alexandre. Je suis déjà venu la dernière fois, le dernier YFC. Voilà, je suis revenu comme ça pour le plaisir, comme la dernière fois. Parce que Alexandre, comme vous avez vu, il est très humble, très... voilà. Je pense que vous n'avez pas besoin de dire plus. Et là, on a un nouveau Islem. Bonjour, je m'appelle Islem, j'habite à Argenteuil. Ça fait 3 ans que je fais de la boxe, boxe anglaise. C'est la première fois que je vais essayer la MMA et puis on verra ce qui se passe. Islem, okay. Donc voilà, qui est à la base boxeur, donc il vient pour se tester et tout simplement. Donc comme d'habitude, Mathieu il est là, n'hésitez pas à abonner sur son Instagram parce que bientôt il fait gagner un cadeau sur Instagram. Il ne sait pas c'est quoi parce que c'est moi qui vais le faire gagner. Abonnez-vous sur Instagram et il y aura un petit cadeau, franchement vous allez kiffer. Donc voilà les gars, bonne chance à vous, bonne chance, montrez-nous un beau combat. Ok les gars, on se rapproche. Comme d'habitude, combat en 3 rounds, 2-3 minutes. Okay. Les coups de coude et les coups de genoux sont autorisés au corps. Interdiction à la tête. Protège-dents. Fight les gars, on est parti. Timer. Il est sur toi, allez. Bouge. Lève les mains. Stop, on remet au milieu. Lève les mains Alex et bouge. Rentre pas dans la boxe, Oh. Attention, coup de tête. Allez, tête dessus. De l'activité on relève. Islem, si t'as pas d'activité, je relève. Tiens sa tête, il va sauver. Allez. Va rectifier le triangle avec ta main droite. Attention, attrape sa jambe. Alex, vas-y, go. Attrape sa jambe, tu souffles avec tes jambes. Allez, Alex, c'est ça. Remonte sur lui. Allez, cogne maintenant. Allez, remonte sur lui, allume. Allez, Alex, à gauche, une menotte. Prends la kim. Voilà. Remonte dessus, enchaîne. Une minute, les gars. Allez, encore. Prépare-toi à exploser, Alex. Allez, envoie, direct. Alex, protège. Laisse à la droite. Tiens sa tête en bas, il ne pourra pas taper. Allez, colle-le. Voilà, c'est bon. Vas-y, Alex. Voilà, maintenant, serre. Il va regarder. Avec ton genou droit, là. Essaye de bloquer son bras. Stop, on sépare. Allez, les gars, on relève. Bon round. Allez, chacun dans son coin. Grosse frayeur au début pour Alexandre. Il a bien réussi à temporiser le jeu, à reprendre un peu au sol. Intéressant là. On repart, top time. On repart les gars. Alex, voilà, fais ça. Allez Alex, faut saisir. À distance. C'est pas grave, lâche pas l'affaire. Vas-y. Tu peux lutter là, tu peux y aller. Attention, on refait revenir dedans et on reprend, go. Vas-y Alex, feinte, tu peux y aller là. Shoot. Feinte, touche et shoot. Oui. Contrôle. Lève-le sur toi, tu retournes. Retourne, prends les selles. Chope ton autre main là, chope Alex, en étau. Voilà, prends la menotte, tu le retournes. Vas-y, tire-le en arrière. Tire la menotte, remonte sur lui.
Remonte sur lui. Voilà, assieds-toi, stabilise tes hanches sur ses hanches. Allez, vas-y. Allez, Alex. Mieux que ça. Rentre ta tête dans ton bras. Rentre ta tête dans ton bras. Attention, pas derrière la tête, Alexandre. Voilà, vas-y, plus fort. Plus. Défends-toi, Islem. Alex, allume. Alex, essaye de prendre avec les genoux. Vas-y, ta jambe, c'est bien. C'est ça qu'il faut faire. Pousse-le en arrière. Alex, comme tout à l'heure. Mets tes mains au sol, Alex. Vas-y, cogne. Par le côté, Alex. 10 secondes. Vas-y. Fais-le rouler. Vas-y, sur la gauche, là. Vas-y. Vas-y. Serre. Il reste une seconde. Il reste une seconde. C'est bon. Oh là là. Il reste une seconde. Montre le chrono. Il a tapé juste une demi-seconde. Très bien, les gars. J'ai eu un petit frayeur au début. T'as vu? Ta boxe a servi. Tu vois ce que je dis ou pas? Franchement, c'était un peu surprenant et tout. Je bosse un peu le cardio. Ouais, voilà, tu vois, cardio. Mais c'est pour ça que c'est bien venir ici. Tu testes, c'est amateur et tout. À un moment, j'ai eu peur pour lui parce que ta boxe, t'as vu, ça sert bien, tu vois. Mais tu vois, la dernière fois, il a fait le même coup. Il est super intelligent à chaque fois. Il est très intelligent dans cette allée. Il est intelligent, il cache bien ça au jeu. Il s'est fait surprendre debout. Directement, il est allé au sol. Il a pris son temps, il a temporisé et ensuite, il a retravaillé. Très intéressant. Franchement, un gros potentiel pour Alexandre. Bah voilà, vous les gars, j'espère vous revoir. Je suis avec ton cardio plus et Alexandre. Ok, vainqueur par soumission au deuxième round. Alexandre, applaudis. Bien joué, les gars. Je voulais passer salam à ma maman, à toute ma famille, comme j'ai fait la dernière fois. Je voulais faire un petit rappel encore, parce qu'on a parlé la dernière fois par rapport aux Ouïghours, qu'on continue les actions qu'on a fait en suivant Raphaël Glucksmann et en mettant les carrés bleus, etc. Aussi pour nos frères en Palestine qui souffrent et tous les autres dans le monde, on les oublie pas. Je voulais remercier aussi spécialement mon coach qui est venu avec moi. Je remercie pour les petites préparations que j'ai eues avant, pour m'avoir accompagné aussi aujourd'hui au combat. En tout cas, bon combat, bien joué à lui. En tout cas, je vais bosser cardio, je vais essayer de revenir, parce que... Je vais essayer de bosser cardio, c'est tout. Deuxième combat, là on a des poids un petit peu plus lourds, 90 et 95 kilos. Du coup, bonjour, je m'appelle Ilyes. Donc voilà, j'ai fait 3 ans de boxe thaï et cette année j'ai fait du jiu-jitsu brésilien. J'ai jamais fait de compète et je pense venir me tester et voir mon niveau, quoi. Et voilà, j'espère que ce sera un beau combat. Je m'appelle Bilal, je fais du jiu-jitsu depuis un an et demi. Je viens de Belgique. Je suis originaire du Daghestan. Je suis venu pour tester mon niveau en MMA. Que le meilleur gagne. Fight les gars, on est parti. Let's go. En bas. Oui, ça glisse hein, les gars. Attention, parti. Sois précis, Magomed. Bill. En bas. Voilà. Encore. Et souffle. C'est rien. Vas-y. Défends-toi. Ou j'arrête. Stop, c'est bon, top. Ça va, c'est bon. Bien joué les gars. Bravo à toi. Franchement, t'as bien combattant. Balèze, hein. Donc Bilal, t'as gagné. Mais ton adversaire veut prendre ton pote. Parce qu'il est plus léger. Ah, c'est ton frère? C'est mon grand frère. C'est ton grand frère? Ah ouais? Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un petit air. Tu es plus balèze donc voilà. En tout cas, merci d'être venu. J'espère te revoir la prochaine fois, ok? Ça va, il est chaud.
Donc on a un combat qui s'est ajouté avec Magomed, qui a malheureusement 10 kilos de moins qu'Iliès. Après, il a un plus gros niveau en sol, un plus gros niveau en lutte. Moi, à la base, je suis venu juste pour voir son combat. Et voilà, au dernier moment, ils avaient besoin d'un combattant. Je suis venu pour me tester aussi. Je fais aussi du jiu-jitsu comme mon frère. Quand j'étais petit, j'ai fait un peu de kick aussi. Et voilà. C'est pas un combat qu'on avait décidé à la base. Ouais, à la base, ça devait pas arriver, mais vu qu'on a eu un désistement de dernière minute, exactement, ils se sont mis d'accord. Et vu que c'est un deuxième combat de Iliès, on va passer le prime directement à Iliès parce qu'il faut du courage faire deux combats dessus. Go, allez, fight, allez, on part. Prestance, Iliès, prestance. Déclenche. 1-1-2. Voilà, encore. T'as capté les bails, t'as capté. Ta garde. Voilà, encore. Ta garde. Lève les points. Attention, on revient au milieu. Allez, reviens. Allez, au milieu, Iliès. Allez, go. Ta garde. Attention au pneu. Gère la distance pour pas vous prendre les pneus. Voilà. Il aurait pu attaquer le gars, mais il a laissé soulever. Hey, look, voilà, encore. C'est bien. Non. Protège-toi, Iliès. Distance. Bouge. Attention, top. Attention, quand il sort, arrête de frapper. Ok, Magomed. Quand il sort, tu arrêtes de frapper. Allez, Iliès, on revient. Allez, on repart, les gars. Distance. Monte ta garde, Iliès. Distance. Voilà, encore. Et frappe. Distance, Iliès. Bouge. Allez, bouge, voilà. Ta garde. Voilà, ta garde, voilà. 1-2, voilà, encore. Vas-y, où tu mets de redire. 1-2, voilà, bouge. Décale-toi, pas de côté. Allez, on repart, les gars. Distance. Ça va? Ouais, ça va. Reste au sol un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, je sais que même déjà venir c'est un peu du courage, mais là t'as fait deux combats. En plus, tu sais, t'as vu que ton combattant était expérimenté. Je pense pas qu'il y avait tel niveau, mais t'as accepté. C'est un combat de dernière minute. À la base, c'était pas prévu parce que Mathieu il avait prévu un autre combattant pour lui. Parce que vous avez vu, c'est pour ça qu'il y a différents niveaux. Mais pour ton courage et tout, j'espère que vous allez le remarquer dans les commentaires. Et naturellement, le bonus de combat, je le passe à Iliès. C'est normal. Ça va? Vainqueur par KO au premier round, Magomed. Il était un peu plus lourd, mais c'était son deuxième combat aussi. Et voilà, il a fait avec mon frère, il était 5 kilos plus lourd. Du coup, il a voulu faire avec moi un peu plus léger. Et ça va, heureusement, j'ai gagné aussi. C'est un très bon combattant, alors dommage qu'il a perdu, mais il reviendra plus fort. Hein. Voilà, j'ai fait mon deuxième combat, qui n'était pas prévu parce que j'étais pas satisfait du premier. J'ai perdu le premier. Malheureusement, j'ai perdu le deuxième aussi, je suis venu tester mon niveau. Bon, apparemment, il n'est pas encore présent. Et du coup voilà, je suis content d'être venu. Je vais m'entraîner et revenir, c'est sûr ça, c'est sûr à 100%. Donc voilà les gars, il y avait quand même trois combats, mais trois combats beaux j'ai envie de dire. Le dernier c'était pas prévu et voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine, n'hésitez pas à télécharger Bigo Live et aller sur Instagram de Mathieu. Donnez de la force, et voilà. Allez, on vous attend.